sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jamais tout seul, non,
Nous vaquer avec occupation non et à ce moment-là nous joignent et route privilège pour nous capables retourner des panels ça et pour nous capables louer le Seigneur pour nous enseigner peuple là et en ce qui a trait que le retour de Jésus n'est pas trop loin, il est tout près nous. So, il est toujours important pour nous capables annoncer peuple là pour nous capables pas faire la soude d'oreille pour nous capables mettre au prêt et d'une façon que pour nous capables connaître que le retour de Jésus n'est pas trop loin. Alors donc, c'est pour nous, c'est une joie. C'est un contentement, c'est un privilège ce soir pour nous entrer la caillou. Nous prenons seulement enchaîner nous avec même et portion musique ça et qui dit non et non jamais tout seul. Et dans ce sens ça nous connaît, nous pas pour compte nous parce que le Seigneur Jésus est tout près de nous-mêmes. Et n'a mando seulement kotoyeyan pour capable chercher position qui pi bon pour hein pour nous capable rentrer dans la prière pour nous capable saluer le Seigneur Jésus qui fait ciel là avec terre. Jésus me montre les cieux. Alléluia, les Jésus. Non.
comme serviteur de la vérité quelque part dans la vie. Non, jamais tout seul. Nous marrons tout esprit devant derrière. Nous marrons tout mauvais esprit qui détruit le travail, mon Dieu. Et nous marrons tout esprit, alléluia, qui parvient de Dieu. Seigneur, soyez à ta prière, assistez-nous. Qui te grâce au couvre-nous. Qui te bénédiction, accompagnez-nous, soyez. Et nous marrons. Nous marrons, esprit démon. Nous marrons, esprit Dieu. Nous marrons, esprit démon. Et assois nous crier liberté dans la vie chaque semaine qui pourra suivre l'émission Clinique Guérison Spirituelle à travers toutes les réseaux sociaux. Seigneur, t'en prie, bénis-nous, guéris-nous, sauvez-nous, restaurez-nous. C'est la prière, c'est victoire. Je me redis, c'est moi. Ne crains rien, courage. Avec toi, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Rentrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car
l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Bonté l'Éternel dure toujours. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amis bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous, c'est une joie, c'est un contentement, une autre fois encore, pour nous rentrer la caillou des panels là, pour nous capables de présenter une émission clinique guérison spirituelle. Et chaque fois, nous jouons une opportunité, chaque fois, nous jouons une occasion pour nous capables de rentrer la caillou. C'est pour nous, c'est une joie, parce que c'est travail le Seigneur. Et nous connaissons des gens au coup de la route qui vraiment bouquet, qui découragent notre travail là. Il y a des gens au coup de la route, ils sont obligés de quitter ça. Ils give up parce que ils n'ont pas joué de monde qui a assisté. Ils n'ont pas joué de monde qui a relayé derrière. Ils n'ont pas joué de monde qui a encouragé en quelque sorte. Mais nous connaissons que appel nous gagnons, c'est appel le Seigneur. Ce n'est pas appel l'homme fait nous, mais c'est appel le Seigneur Jésus. En quelque sorte, nous sommes capables d'où assoya, nous gagnons un autre privilège, occasion. À souhait ça que le Seigneur Jésus non seulement lui rend nous grâce, lui rend nous grâce dans miséricorde lui, nous sorti, nous rentrer la caille nous et nous réaliser gain moun et qui pral ressorti encore et gain moun qui est rentré la caille yo qui pas choisi ressorti encore. Mais gain des moun malgré yo rentré la caille yo, yo toujours que mon petit téléphone dans mes yo gain dans yo tout. Ces stations radio yo obligé baisser volume radio hein, pour capable monter volume émission clinique guérison spirituelle parce que nous réaliser que des monde qui était quoi dans le ça le Seigneur dans grâce li li capable voyon mot pour yo en quelque sorte. Et bien asoya et n'a dit ou asoya c'est une soirée spéciale. Asoya c'est une soirée et nous capable dire si c'était nous qui t'ai fait arrangement. Bien entendu, ça te capable passer dans façon nous t'a blé. Mais plus que c'est le Seigneur Jésus qui fait arrangement, eh bien nous capable dit toute bagaille très très bien. Tant qu'on dit quelque part de la Bible dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 7, il dit je combattu le bon combat. J'achevé la course. Je garde la foi. À quelque part, la foi dans mon Dieu, c'est ça qui prend le fort fini. C'est ça qui prend le fort achever course ou faire dans la vie. Et là, profiter pour nous saluer tout le monde qui branchait l'émission Clinique Guérison Spirituelle à travers Télé La Foi, Radio Télé La Foi. Et il y a des gens qui branchaient nous à travers notre réseau social. Il y a des gens qui suivent nous là sur WhatsApp, il y a des gens qui suivent nous là sur YouTube, il y a des gens qui suivent nous là sur tout réseau social, spécialement Facebook. Nous connaissons plein de monde qui aime mettre téléphone dans mes yeux et suivent l'émission Clinique Guérison Spirituelle. Et bien pour nous capables de oui, le Seigneur avec nous. Et sans approbation le Seigneur, nous pas taper du temps nous pour nous prêcher l'évangile. Sans approbation le Seigneur en vérité gain de temps nous pas t'apprendre vraiment parce que qui t'aime dans bagage est très spécial à soya gain des arrangements c'est le Seigneur qui fait yo gain des programmations Jean programmation a déroulé c'est le Seigneur Jésus qui fait programmation yo. Eh bien-aimé dans le Seigneur nous t'ai fait tout arrangement nous à soya pour nous t'es capable enseigner peuple là pour nous t'es capable former peuple là et en plus Non, contrôle régulier émission clinique guérison spirituelle, c'est enseignement, fin fait enseignement pour peuple là et puis après ça, nous prier avec peuple là, nous entrer peuple là dans la prière d'une façon que nous plonger peuple là et dans sang Jésus afin que péché yo iniquité peuple là et sa peuple là fait qui pas bien yo et le Seigneur dans sa grâce li capable pardonner peuple là. Eh bien, dans sens ça au coup de la route,
Le Seigneur fait nous grâce, nous gagne un autre privilège ce soir et pour nous gagner dans le studio le révérend pasteur Emmanuel Assé. Ah, ça c'est une grâce bien-aimé, ça c'est une grâce parce que gagner arrangement si c'est ou fait, il pas sorti bien. Gagner arrangement si c'est ou même qui fait en tant que homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en vérité il pas sorti bien. Mais laissez le Seigneur dans sa grâce. Laissez bon Dieu qui a tout pouvoir, qui fait arrangement, et bien qui t'aime don bagay, tout bagay sorti très très bien. Et bien, assoya, nous prenons seulement pour un coup de pause qui tout coûte. Hein? Et puis après, pour nous capables de recevoir le révérend pasteur Emmanuel Assé qui est dans le studio là, qui prend le fait nous connaître vraiment. Qui ça la Bible dit, qui pral dit nous, qui programme li gagné, parce que nous connaissons pasteur Emmanuel Assé, c'est un nèg et le Seigneur fait appel avec lui, mais qui vraiment toujours surchargé d'une certaine façon, qui toujours gagne programme dans la communauté. Hein? Et bien, nous pral gagne un autre privilège dans quelques minutes pour nous capables de retrouver le révérend pasteur Emmanuel Assé. Seulement, nous avons demandé autant pour faire nos grâces, pas déplacer. Et nous avons profité pour nous saluer chaque ami qui déjà branché l'émission clinique guérison spirituelle, zami qui a partagé l'émission, hein? Zami qui a aidé l'autre monde ouais émission, hein? Qui c'est émission clinique guérison spirituelle ministries, cela veut dire c'est ministère ça que le Seigneur confie nous pour nous capable prêcher l'évangile, pour nous capable annoncer peuple là que retour Jésus n'est pas loin. Il y a des monde qui seulement monté sur Facebook là selon eux-mêmes. Yo pense que là yo monté, yo pas monté avec yon salutation, yo pas monté avec yon rien, yo pense que ça capable décourager nous d'une certaine façon pour nous pas avancer avec programme nous. M'ap don bagay a soya. Appel bon Dieu fait un serviteur. Provision que le Seigneur met en dans serviteur, li toujours fait tout arrangement yo avant que ou même ou présenter sur le terrain. Je reprends pour vous. Là, le ciel fait appel avec un serviteur dans le champ de bataille. Il fait provision spirituelle pour vous. Il fait provision spirituelle pour vous. Cela veut dire, moi-même, dès que tu as fait tout arrangement pour seulement passer un moment avec le peuple, la prière avec le peuple, enseigner le peuple, bien-aimé, mais assoyez le Seigneur, fait bagala à l'autre gens. Il fait au coup de la route, pasteur Emmanuel Assé. Il fait appel avec nous, il dit nous bon parce que Emmanuel, mon cher finalement, moi gagne sous cœur, le Seigneur mettez sous cœur pour moi rentrer dans le studio à soyez là pour nous capable prêcher l'évangile ensemble. Bon. En quelque sorte, nous penser c'est même route là n'a fait pas de différence, est-ce qu'on comprend? Pas gagne monde qui fait à gauche, l'autre qui fait à droite, c'est même route là. Nous dit pasteur Emmanuel assez mon cher, bienvenue. Bénis nos papa bon Dieu, nous bénis nos papa bon Dieu et pour arrangement le fait et nous pas gain pour nous plaindre et nous pas qu'à plaindre tout, nous pas gain de roi pour nous plaindre tout. Alors donc n'a pas un coup de pause qui tout coûte, nous mandons pour pas déplacer et puis dans quelques minutes nous allons retrouver le révérend pasteur Emmanuel Assé des panels là et puis qui va passer un moment avec nous et pas ça qu'a prêcher l'évangile tout parce que nous même nous pas gain problème non. Parce que Timothée dit, apôtre Paul dit, Timothée, l'évangile là sont passation. Et quelque part, apôtre Paul dit, Timothée, ce que vous avez entendu de moi, confiez par des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner et ainsi à d'autres. Cela veut dire, quel que soit le monde qui a prêché l'évangile, depuis ce baba gay pour faire, moi-même, ma avec vous. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, moi-même de nous, pas déplacer dans quelques minutes. Nous pourrons retrouver le révérend pasteur Emmanuel Assé de Parnella. Nous ne demandons pas déplacer. Thank you.
vous appreniez ce chant-là. C'est simple. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hallelujah. Tu es
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Papa bon Dieu pour bien faire une autre fois encore, bien aimé. Je suis de retour. C'est toujours frère aux amis qui derrière panel là. Et ce soir, nous avons un privilège pour nous gagner deux Emmanuel. Oh my goodness. Nous avons deux Emmanuel ce soir qui derrière panel là avec nous là. Et seulement nous, tous les deux, mon seul objectif, c'est prêcher l'évangile pour l'avancement du royaume, Papa bon Dieu. Nous yon qui là, malgré nous gagnons même nom, nous pas gagnons bagaille, ta kouputa dit, qui différent avec l'autre. Nous tous les deux être là, nous gagnons même position, nous gagnons même droit commun. Cela veut dire nous là pour nous. Présentation li devant peuple là. Et chaque fois nous venons opportunité là nous bénis nos papa Dieu parce que il y a arrangement, c'est pas l'homme qui t'appelle, c'est seulement le Seigneur qui t'appelle. Parce que Emmanuel a fait, nous bien contents qu'il y ait avec nous dans ce studio là. Dis-moi comment ça y est. Thank you for allow God to use you as an instrumental for the gospel and to spread the message, the word of God, toward the world. So c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une grâce liée que vous quittez bon Dieu servir ensemble avec vous pour capable prêcher l'évangile et vibrant, un évangile vibrant. So moi j'ai mon cap côté sur Facebook moi, mon yo c'est anglais ou parle tout. So moi obligé mix le langage là, c'est excusez pour ça. Moi parler en deux langues, en créole avec anglais. Merci. Gloire à Dieu. Pasteur Emmanuel Assé, c'est pour nous asseoir une autre fois encore. Nous avons un autre privilège pour nous capables de recevoir dans l'émission clinique guérison spirituelle. Parce que on connaît assez souvent, il y a des gens qui suivent l'émission clinique guérison spirituelle. Et il a refusé de comprendre l'émission, son émission universelle. Cela veut dire, non seulement nous là pour nous prêcher l'évangile, et en plus nous là tout dans la communauté haïtienne pour nous capables faire travail qui est le travail socio-média. Cela veut dire, ça qu'a fait dans la communauté, nous avons un pasteur Emmanuel Assé qui toujours a cherché qu'on est afin que pour le porter une information par le peuple. Eh bien, soyez, et nous bénissons le Seigneur une autre fois encore parce que le Seigneur fait nos grâces. Et au commencement, pasteur Emmanuel Assé était passé dans le studio 1 et il était seulement passé pour une présentation. Et une deuxième fois encore, il est repassé dans le studio 1. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui poussait pasteur Emmanuel pour le retourner de retour. Alors, donc, et nous pensons, nous ne pouvons pas faire une interview avec pasteur Emmanuel Assé à Soya. Nous avons seulement quitté lui, fait dérouler lui comme nous entendons. Il fait présentation et il prouve, il dit qui est ce monde. Mais pasteur Emmanuel Assé tout pour aller profiter de nous, qui ça qu'a fait, qui programme ni gagné. Nous connaissons pasteur toujours fait gala, et spécialement pour les femmes de Dieu, il toujours recevoir mesdames yo. Et nous pourrons demander pasteur Emmanuel tout, est-ce que dans gala ça tout là, tout profiter nous, et présenter nous, et c'est comme une future là madame, non? Et alors nous connaissons pile monde qui déjà branché nous là, spécialement sur YouTube, pour vous voir. Comment pasteur Emmanuel Assé a soigné là dans la clinique guérison spirituelle, non seulement qui pral prêcher nous la parole de Dieu, et puis qui pral gen chance tout pour lui faire introduction, pour le capable prier avec peuple clinique guérison spirituelle là. Nous même c'est ça nous gen la caille, non?
depuis un pasteur, un homme de Dieu passé par bon côté nous, il met ton frère, il met ton diacre, il met ton dame missionnaire, il met n'importe saleté. Et depuis le passé dans le studio, nous toujours passer le micro pour prendre responsabilité. Mais juste avant tout, qui t'aimerait saluer tous les membres de la première église Apocalypse de Queens. Ça c'est une erreur que m'pa veut faire parce que ça c'est assemblée PAM que papa bon Dieu fait un cadeau. Rassurement, c'est dans l'assemblée ça m'a monté dans le ciel. Spécialement, m'a profité saluer le révérend docteur Bishop Sam Célestin. Moi saluer au pas bon côté PAM. Moi saluer tous les membres de la première église Apocalypse et nous saluer groupe d'âmes, nous saluer groupe d'hommes, nous saluer groupe vertueuse, nous saluer et la jeunesse, nous saluer les enfants, spécialement sur Sabrina Dalcé. Qui font bel travail avec Timounio, nous saluons à soya. Eh bien, nous avons pasteur Emmanuel Assé qui prend seulement rentrer dans la prière et puis pour le capable rentrer avec le programme que l'ité poté pour nous à soya. Pasteur Emmanuel Assé, micro pour vous, fais sauver, dégagez, quittez cet esprit contre vous. Premièrement, moi, je voulais dire bon Dieu merci. First, I want to thank God and the Holy Spirit is the head of my life. I am so blessed and grateful. Moi, je suis béni et c'est en bénédiction. Actually, today, pendant que nous meeting privé, moi avec le police commissionnaire of Nassau County, parce que moi j'étais appointé quelques mois de ça en 3 juin 2018, comme advisor counsel to the police commissioner. So, pendant que j'étais comme ça, puis m'a réfléchi, m'a regardé vie moi côté me sorti, côté bon Dieu faire autant ça m'avait. Et puis cet esprit dirigé moi à Reverend Pasteur Emmanuel Messila. So that's how I was led by the Holy Spirit. While I was having a private meeting with the police commissioner tonight and at the police headquarters, and I said, you know what? The Holy Spirit led me here. And that's why I'm here tonight. So I just want to encourage you that no matter what you're going through in life, quel que soit ce qui passe dans la vie, that there's a solution to your problem. It is your best medication that God can give you. It is a medication of faith. So nous voulons partager ensemble avec tout. Nous, moi, ça. Actually, jodi a exactement li fè nou 6 ans depi mwen bon Dieu te mette mwen nan Gateway Christian Center. Mwen se an honneur pou m servi, it's an honor and a blessing to be a pastor in Gateway Christian Center comme assistant pasteur yo, on l'église ki multicultural, nan denomination ki bon Dieu béni nou bel venue ki situé nan la cour de Valley Stream. And the church is located in Valley Stream. So it is my greatest honor to be serving a multicultural church with 20 different nationalities and mostly Indian. I'm a Haitian myself. So it's a blessing. So it's always good to say thank you, God. So we travel around, we go places, we're very humble. We don't look into titles. People can call us Brothers Emmanuel. But also I'm a pastor of a large assembly church in Valley Stream. So we are honored and we are humble. We don't brag. But we're just grateful just to serve and people that support you in every way. And I just had a surgery just a few days ago, but God make me, he healed me. He's a healer and everything went well. So tonight we want to encourage you before I get into other details. I do work, I do social services, public relations for home care agency. Côté nous aider moun pour travail, gen pil moun ki nan comité pap travail. So job moi c'est pour aider son directeur public relations pour home care agency et en même temps tout moi travaille dans funeral home basse dans pasteur tout faire enterrement même travaille dans funeral home là dans Gilmore que moi assister la famille. So ça c'est travaille dans en funeral là. So c'est toutefois ta grande agency on famille qui départ nous là pour aider yo. I also work for funeral home, so we here to support you and help your family in times of need. And also, I'm an advisor council member to the police commissioner. So my job is to serve the community and report to the police commissioner. So we're also some council advisory counselor to the police commissioner of Nassau County. So que moi travaille avec police yo, moi pour rapporter à police commissioner, c'est ça me fait assurer un balan yo report moi, nous chita ensemble, nous parler, nous faire plusieurs activités sur nos travail dans police département. So nous voulons faut qu'on ait si toutefois t'as un problème avec police yo, on va qui t'est passé, nous là pour nous capable assister. En même temps tout, moi son chairman en civil rights, moi couvre Nassau County, moi couvre Suffolk County, pour comité ici moi couvre toute cette là pour Reverend Al Chapton qui est le National Action Network
que nous chita dans bord là comme ce chairperson of the district que moi couvrir dans civil law. Dans civil law, c'est une grosse organisation à travers les États-Unis que le président et le fondateur de Reverend Al Sharpton. So nous travaillons dans le département ça, si toutefois au senti droit violé ou en police, quel que soit notre travail ou discrimination amen. So nous là pour aider. Nous travaillons avec plusieurs avocats qui travaillent dans Bodman, qui chita dans Bodman, moi c'est chairman là. En dernier bail tout, nous si toutefois tu as un problème légal, tu as un service technologique, tu as un problème de drogue avec un bagage DWI, so serious cases côté mon appel en prison, so li vraiment bouleversé. So nous travaillons dans ça tout. Moi c'est advisor counsel to the district attorney's office. So moi t'es appointed by the district attorney's office by the deputy district attorney's office. So nous chita avec tout avocat parce que c'est une forme directeur communication qui est moyen dans le gouvernement administration américaine là. Et l'autre année si Dieu veut et pas la foi nous pas entrer dans détail mais n'a travaille dans US Congress là pour nous capable servir gouvernement American people dans l'autre dimension. So nous pas entrer dans détail mais ça sont bagage qui bon Dieu déjà planifié et ça c'est un honneur pour me capable chita dans highest office dans législative dans le monde entier pour nous après servir communauté ya. Et c'est communauté haïtien gomba nous besoin comprendre laisser une qui lever tout le monde lever parce que dans communauté américain indien côté chita si les pasteurs bon Dieu voyez pasteur monter voyez une de monter nous tout monter ensemble c'est raison ça nos succès mais nos communautés nous besoin plus l'amour nous besoin plus appréciation nous besoin plus unité plus compréhension avec plus sagesse. So, là nous fait ça, nous capable faire plus progrès parce que bon Dieu, pasteur man l'a servi bon Dieu, m'a servi bon Dieu. Yes. Mais bon Dieu servi avec tout le monde dans différentes façons. Tout le monde gagne mission ministère payo. Ça pasteur Emmanuel Messi l'a fait, m'pa ka faire, m'pa ka copier sur lui parce que son bagage bon Dieu déjà planifié dans lui-même, programmé dans lui-même et ça me fait pas ça veut dire tout le monde gagne don yo. So, you know bagage m'va faire là l'autre mois si Dieu veut, à partir des premiers semaines de janvier, m'a ouvre office dans Valley Stream pour travailler pour aider cette communauté haïtienne pour aider en moins gain cours anglais côté m'voyer mon l'école pour gratuit pour payer en moins gain côté wallan programme training pour vin on home of aid HHA côté mon canal paye un coût $500 si quoi $500 moi faire agence à payer $150 ou même payer $150 après bon 6 mois pour payer $25. So tout bagage ça c'est pour aider peuple là l'église c'est pas juste prier seulement. Avant nous capables de servir bon Dieu, premièrement, il faut nous servir peuple bon Dieu. À travers servir peuple bon Dieu, nous capables de servir bon Dieu. So, these are services that I do in the community. So, I want to come to a conclusion with this. I just want to give you an introduction, not about myself, et pas parler de tête, moi, c'est service qui programme nous fait nos comités. Yeah. So, nous avons un grand programme, avant d'entrer dans le message, nous avons un grand programme qui a fait le 9 demain samedi, m'a fait un accident de grâce. En 22 décembre, si Dieu voulait, dans la cour Brooklyn à 1370 Flatbush Avenue, en between East 26 and Farragut, en face de l'église Open Isla, dans l'église Tabernacle de Grâce, je répète, adresse à 1370 Flatbush Avenue, m'a fait un grand programme à partir de samedi demain, 22 décembre, 6h de l'après-midi pour 8h. Je fais un programme d'action de grâce, je dis bon Dieu, remerciement. Pour famille moi c'est ça bon Dieu te me souke moi m'a dit bon Dieu remerciement de ce que la mette dans l'autre dimension dans gouvernement dans office madjam espérer dans vim dans le grand office dans États-Unis nous dit bon Dieu merci pour un pile bagaille so n'a font action de grâce côté n'a vient dit bon Dieu merci son encourage si vous intéressé please relez nous dans 347 998 4088 nous répéter téléphone mobile nous c'est 347 Ria Code 998 4088. Vous pouvez communiquer avec nous, avec staff moi et Action de Grâce là, c'est un programme qui est gratuit. Nous encourageons à venir participer. So, nous pas prêter programme là pile parce que m'gen dîner juste dans l'église moi tout. So, so nous voulons encourager et deux bagages n'ap di nous fini le 9 février, samedi 9 février 2019, nous pas célébrer le Valentin comme chrétien, mais nous célébrer en façon chrétien l'amour. Bon Dieu, c'est chaque jour lié, pas vrai? Et pas le Valentin. So, n'a un grand programme côté wap n'a fait un grand programme côté n'a fait un grand programme côté
appréciation pour la femme dîner à côté de $25. Si on pas beau fait affaire, n'a fait un sit-down dîner pour toute femme dans la communauté. C'est un programme international et m'a fait un restaurant haïtien parce que me voulait étranger à goûter manger haïtien tout, manger la caille. Yes, original, m'a fait dans New Fort, dans Elmont Road. Moi-même personnellement, moi paye 100 pour moi paye pour 100 femmes gratuit. Ça c'est moi-même qui fais action de grâce, me paye pour 100 femmes, me paye depuis quelques mois. Mais moun k'ap vini yo la femme la $25 et monsieur a $40. So ça c'est programme à faire pour dîner, soirée avec belle musique k'ap vin jouer toute la nuit là pour la gloire de Dieu. So et dernier programme nous gain pour vous c'est le 24 mars 2019 dimanche 24 mars 2019 nous gon gros gala international qui n'a habitué faire chaque année, nous toujours faire dans différentes locations avec différents groupes monde. Ce programme, ce n'est pas un programme comité haïtien lié, c'est nous voulons faire comme ça clair. Ce programme international culturel, côté n'a habitué 15 nations, il y a 18 nations, il y a 12 nations, et côté n'a pas un grand performance, n'a pas 27 music company, en tout, n'a pas 84 performances. So, 84 monde qui viennent jouer pour jouer ce soir. Ça c'est un grand gala et Congrès a monté drapeau sur tête capitale là et Sénat passe résolution pour reconnaître programme ça jour le 24. Nous avons plusieurs juges qui pour nous, nous avons plusieurs police officiers qui pour nous, nous avons ambassadeur des Nations Unies qui pour nous, nous avons plusieurs monde. Ça c'est un programme culture qui a fait pour en behalf pour qu'on montre haïtien peuple là non pas seulement rester dans seule communauté haïtien pare nous mais en même temps nous c'est culture nous gain vision et thème là les relais la femme destination nous quoi chaque femme gon destination so moi même son ministère c'est président une organisation pour la femme internationale et moi t'ai fait une expérience personnelle dans vim et à travers expérience ça bon Dieu bon mon ministère la femme c'est pas juste pasteur dans l'église même que ministère la femme tout so, c'est un grand programme qu'a fait et pasteur Messilia pété poster ou capable voir programme là monde capable register bonheur plus vite que possible so assois nous pas nous voulons bon message rapidement que bon Dieu me soutient moi m'a mixé plus en anglais plus comfortable message après pause là right yes après pause là n'a retourner n'a vinn bon un message que bon Dieu me soutient moi message à relais I have a destiny yes message là relais parce que moi un livre qu'a écrit que m'a préparé pour sortir qui relais I am destined for greatness ça ça veut dire les monde te rejeté bon Dieu levé en dignité et moi fier moi ça haïtien mais en même temps fier moi plus fier dans l'église américaine côté que voyer monter qui respecte moi qui apprécie moi qui mettait dans l'autre dimension so gain dimension pour bon Dieu levé avec vous. Bon Dieu obligé retourner dans quatre pas en groupe pour bon Dieu lever en dignité. Son a retourné dans quelques minutes avec message ça based dans livre map écrit ya I have a destiny. Merci.
Au grand destination, and destination is unstoppable. Depuis ma tête, c'est l'esprit inspiré message ça. Et maintenant, qu'on n'est pas le bah, en méditation, à soir, quelque chose à l'église, quelque chose dans la radio. Mais bon Dieu, toujours programmé, les line up tout bagaille. Premier bagaille, c'est qu'on est the first thing that you need to know, be aware that when God gave you a vision, you have a destiny. That everything never happen overnight, and the way we expect things and the way we look at things and God look things in different way. Je ne vois bagay yo, c'est pas comme ça bon Dieu ouais bagay yo, bon Dieu ouais non l'autre façon, parce que le bon Dieu permet gepi bagay bon Dieu permet passer dans vie. Certain things God allow to happen in your life is for his glory, is for his purpose, and then whatever God direction God is taking you to, that there's a purpose and it's for his name can be glorified, and whatever dreams that God planted and seed into your life, into your heart,
And that is your seed of success to your greatness in your life. And then when God, the scripture said, according to Jeremiah chapter 1 verse 5, before your form in your mother's womb, I have set you apart and I have ordained you as a prophet to the nation. That means that before you are born exists, that God has chosen you and he had put you aside and he have a special mission in your life. That you're not just were born by accident. You're not just any type of person, but you are special, you are unique, and you are born with a purpose in your life. And your purpose is God has a better things and great things has come into your life. That God often move in a slow motion. Bon Dieu pas move, même je ne expect bon Dieu move to your microwave overnight. That your dream is not a microwave dream. Because when God give you a dream, there's a process that you have to go through your dream. And the first process is called preparation before presentation. Before God can take you to where he wants you to be, there has to be through some type of training ground that you have to go through. And that training is a part of the classes that you have to take. One of the classes that you have to take is rejection. When men say that it's over, and when the devil wants to discourage you and to destroy your dreams, your vision, and for you to forget about, completely forget about your dream, what God is planning for your life, and then the Lord said, the best yet to come. Because sometimes that God is the one who's controlling your dream. God, it is the author and the finisher. God is the one who built your dream. And God is the one who's going to make your dream to fulfill in your life. When God give you a dream, one day that dream must give birth. And when a woman carrying a child, normally the procedure is a 9-month process. The woman go up and down. Tribulation will come in your life. But also want to encourage you that regardless what he says, she say about you. See, the more people talk about you and the better for you is a blessing. If people don't talk about you and criticize you, then you have to say something is wrong. That tonight God wants to remind you every accusation in your life, it is your accusation of success to your destiny. When God gives you a dream, it's like a map of your destiny. So God gives you a handbook. It gives you a handbook to guide you. And as I said it in the past on my message, that the Holy Spirit, it is a GPS of your destiny. And the GPS of the Holy Spirit is the GPS that's going to guide you and direct you to your destiny where God wants you to be. So one thing that you have to also be aware is God is always in control. No matter what storm that you are facing in life, quel que soit tribulation, problème qui dans la vie, difficulté qui dans la vie, tout bagay yo gon solution au problème yo, mais c'est leur fixe yeux sur bon Dieu. Et moun ki fixe yeux sur bon Dieu, people that put their faith in the Lord and focus in the Lord, that the scripture said you will never be disappointed. Many times in life, you have experienced some way, somehow in life, where you have fail and experience some type of disappointment, some type of rejection. Maybe it's a rejection in a relationship. Maybe it was a rejection in your church. Maybe it was a rejection in your family. Joseph is a perfect example as a young man where God builds a dreams in his life. The first dream was about his future, and the second dream was about his family. So people will get jealous, and moun ap jalo, même les moun pat même konon. But there's something that's in you that attracts them to be jealous of you. But regardless your past, your mess, and your background, God is not interested in your past. God is interested in your future. So when you learn to put the trust in the Lord, he will guide you to your path where God wants you to be. It's not how long you've been in ministry. It's what have you accomplished in ministry. It's not how long you've been in church and Christian. It's where your level of your spiritual, your level of your faith, and your walk with Christ. That's what God look for. God is not interested in how much experience that you have. It's your faith and your relationship with God. And when we learn to trust God,
God can do further more in your life than the devil can do. 6 years ago, I experienced some type of struggle in my personal life. It was not easy. There were many turbulence. There were many trials that I have to face. And that's what I was telling you a few minutes ago, that God has to send you to a school, and the school is called a school of preparation, because preparation comes before presentation. So it's okay to go through trials, because there's no such a soldier without training. You have to go through a training to be where God wants you to be and to be the person that you are today. And when the devil reminds you your past and God is reminding you your future, when the devil wants to discourage you, God said, I want to give you double strength. When the enemy wants you to fall back and backslide, God said, I am your comfort, and I will give you, and I will build hope in your life. See, when sometime in life you're looking to your left, to your right, and you question yourself, where is God? And the enemy will remind you, God is always there on your side, always ready to listen to you and to guide you and give you the comfort that you need and through your trials and tribulation. And today, as I was sitting in a police station, and I questioned myself, when I look back in my personal life 12 years ago, when I was dragged and rejected and run away from the police, but today I'm sitting down in a police headquarters, not even a police station, just to show you that what God has store for you, that God will restore your lost years in your life. That when you are rejected by man and accuse you, but because of forgiveness that you have, Joseph have a spirit of forgiveness and humility. See, what is the humility and this forgiveness? God can do for and can do great things in your life because your heart become the access for God to operate in your life and to use you as an instrument for the gospel and to be a role model for God. Today, I want to encourage you, as I was sitting in the police headquarters, 12 years ago, I was in a police station. But in June, I was struggling in 2006, 2007. But in June 13, 2018, I'm appointed by the police commissioner, came to appoint me personally to that position. And tonight, I'm sitting with the police commissioner. When I look back, I was running away from the cops. But tonight, it's reversed. God appointed me to a higher level. I want to encourage you, young man. I want to encourage you, my sisters and brothers out there, that no matter what you're going through in your life, when men reject you, there's a purpose. When men reject you and humiliate you, God said, I will take you from nothing, and I will take you from zero to maximum. I will take you from minimum to hallelujah. I will take you to ordinary to extraordinary. I will take you from blessing to blessing. I will take you from glory to glory. And I will excel in your life. When the devil says over, God said the best yet to come. Blessed people cannot be cursed. Regardless how many times that you have been rejected, by the support of the Lord's hand, your will arise. And God will arise when you are fall, when man has turned the back on you, when your loved one had reject you, when you have been rejected in a relationship, when you're rejected by your own family, when you're rejected in your church, when you reject it in your job, God said, I will promote you. When you are faithful with God, God will be faithful with you to the end. And I want to encourage you tonight, you have a destiny, and your destiny is unstoppable. No demons in hell, no pastors can stop your destiny. No man can stop your vision. No man can stop from where God wants to take you, from where you are to where God wants you to be. From where you are to where your destiny is. And that's why tonight, God wants to remind you, my sisters and brothers, don't be discouraged. The best yet to come. And through your trials, through your tears, cheer, joys will come. And God, the devil look at you, reminding you is over. And God said, this is your year to excel because it's your year of elevation. And that is why I said earlier, God prepare you before presentation. What I mean by that, there's a preparation. The scripture said according to the Psalm of 23rd, I will prepare a table in the presence of your enemies. See,
many of us read the scripture over and over, but only a few of us experience what it feels like when God said, I'm going to prepare a table before your enemy. So I want to encourage you tonight that there's hope when you put your trust in the Lord. Sometimes God wants to teach you a personal lesson that your trust is not in pastors, man, but your trust should be in the Lord. Men can fail you at any second, but God will never fail you. That God take every disappointment in your life, and your disappointment become your appointment in your life. So when the enemy has deleted you, God said, I restore you, and I find you, and I rebuild you. And that's what the scripture said, I will make you a great nation, and I had ordained you as a prophet to the nation. You are called, God trained you, he mentored you, he builds you, he prepares you, he trains you, he guides you, and he puts you, because this is a spiritual battlefield. Not because God gave you a dream, that doesn't mean that there's not going to be a battlefield. There's going to be a battle. For your dream to survive, there will be a spiritual warfare for you to be where God wants you to be. So, in your family, at some point, you were the tail. And today, God remove what I'm saying to you, that God changed the channel of failure in your life, and he turned everything to be success. What I'm saying to you is, the mess that you are in, God take your mess, and you make your mess become your blessing. That the struggle that you are facing in your life, God take every struggle and he turn your struggle to victory. That your struggle, the route that you've been through in the past, God said, I change your address. I change your direction. I change your destiny. I change your life completely. That's what I said, God will restore your lost years. That everything that you have done for God, it will not go unnoticed. Sometimes God allow people to forget about you like he did with Joseph. While Joseph was in prison, and he sent a message to the king. But the baker completely forgot about Joseph. But God allows certain things to happen. So when you get promoted, men will say, I promote you. It will say, God promotes you himself. So sometimes God allow those things to happen in your life for his own purpose, for his own glory. So everything that you go through, it should be a blessing in your life. When you see that the tear and the storm that you are going through, and begin to sing and give him the glory and the praise. And one thing that I want to encourage in you, the more the devil will challenge you, that means you're closer to your destiny. I'm going to repeat this once again. The more the enemy challenges you, that means you're closer to your destiny. Please aid me and challenge you. Ça veut dire prescrivez une destination. As I was sitting 2 weeks ago in the district attorney's office, and on a personal level that I had a case against me 12 years ago. But I learned that forgiveness, my parents always taught me, always forgive people, no matter what. Sometimes it can be very difficult to forgive people when you're overwhelmed. You say, enough is enough. But Jesus never gave up on us, and how many times we have sinned, he still forgive us. So the point that I'm making is, as I'm sitting with the district attorney's office, as an advisor counsel to the district attorney's office, and I had a case, but today, God reversed it, we are serving the district attorney's office as an advisor. So what I'm saying to you, I'm not talking about myself, to give you glory. I want to show you some PowerPoint that this is what God can do. So God allowed case to build against you, and those cases that were built against you, God turned every case become a favor, a blessing in your life. No matter where you go, that the step and the level God is about to take you, God has to change your clothes. He will put a new suit on. He will put a new shirt. He will put a new mind. He will put a new vision. He will put a new word in your mind. He will put a new word in your mouth. God, it will allow to use you and excel in your life. See, you're swimming. You're in a storm. You're in the ocean as you struggle to your destiny. God said, I'm going to excel my daughter into your life. I'm going to excel into your life, my son. I'm going to take you to a level you never expected, where men can never understand what God is about to do in your life. When God elevates you, your destiny fulfilled and become manifested in your life until your dream come to pass.
And one thing that I want to come to share with you before I close tonight. Some enemy, no matter how much you pray for them. Nous, nous voulons dire ça en créole. Guide me, m'te dit ça dans mon message d'approche. Guide me, ou on a prié jusqu'à le retour de Jésus, you pas jamais mourir. Some enemies, you can pray for them until the return of the Lord. They will not go nowhere. They will always be around. God allowed them and reserved them for a purpose. And the purpose is that the scripture said, it will prepare a table in the presence of your enemy. So your enemy cannot be absent in your celebration. So your enemy must be a witness how God is about to birth your dreams that God has stored in your heart, in your life. So get a meal, yo, ou ka prier matin, midi et soir, for yo la comme témoin, c'est pas yon te di lot ou yon te tende, but they have to witness themselves what the Lord has done for you and the Lord has blessed you. If I really take time and what God has done for me, I am forever grateful and blessed and I highly favor. And I want to encourage you 2018, 2019, 2020, for the rest of your life, the best yet to come. When you are faithful to the end, God will be faithful you with you to the end as well. And that's why we need to understand the process of patience, the process of humility, the process of rejection. No matter how many times that man has rejected you, but by the support of the hand of the Lord, Jesus Christ himself, he will lift you up in the presence of your enemy. The scripture said, whoever humbled himself before the Lord, he will lift you up. And the scripture that I want to conclude tonight's message, that according to Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, not thoughts of evil, but thought of hope and a future with expecting end. And that's why tonight we want to remind you, not me, but the Holy Spirit himself, you have a destiny. And si ennemi a attaqué chaque seconde dans la vie, c'est parce que son danger, son trait pour ennemi. The enemy know your past. Ennemi connaît le passé. But the enemy don't know your future. Your future is in God's hand. So whatever you invest in the kingdom of God, quel que soit investi dans le royaume bon Dieu a récompensé. God will restore your blessing and double like he did for Job. For 13 years, I was struggle. For 9.5 years, as a man, I'm not ashamed to say that. I slept, and hallelujah, I cried like a baby, like a kid for 9 years. I was never happy. For 11 years, I slept on a mat on the floor for 11 years. And when I lost everything, July 30th, 2006, on a Sunday, I was coming from preaching at a church in Baldwin. But in July 30th, 2017, God restored everything that I had lost. I got my place back. I got my joy back. I got my relationship back. What I'm saying to you is everything the devil has stored in your life, this is your year to recover. This is your year to restore everything back. It's time to go back, remind the devil. It's time to give your marriage back. It's time to give your finance back. It's time to give your ministry back. It's time to give your health back. That sickness is illegal, but health is power. That every poverty that was in your life that attract you to hardship, God will restore your finance. He will restore your mind. He will restore your joy. He will restore your spirit. He will restore your heart. He will restore everything. When you learn to trust God, you will not fail. God allow man to fail you for his purpose. When you promote, it will not be from a pastor. It will not be from church. It will not be from your wife. It will not be from a husband. But it will be from God. Because God said, this is your year, son. This is your year, my daughter, of your elevation, your promotion. My dad struggled for 13 years without a green card. Pour moun ki pa gen résidence yo. The first day my dad migrated to America over 40 years ago, my dad didn't have no contact, only one contact to a family member, but he was rejected at the airport. From 7 o'clock to 2 o'clock in the morning, he was still at the airport. Until he found a piece of paper with the address, he was able to take a cab and take them to that address. And when he got there, the door was slammed in his face. He was rejected. No one in America, no contact.
But I had the greatest honor last night with the Governor Coleman sitting down and dinner, my second dinner with him back to back this year, to raise the minimum wage become law in the state of New York as of January 1st, 2018. The new law. So today I want to encourage you, the son of immigrant was rejected, but today his son speaking on his behalf. My dad took 13 years for him to able to have his green card and go see us in Haiti back home. But January 1st, 2018, the family paid sick leave was passed into law. I give the speech for the Governor Cuomo. So today, I want to tell you, sisters and brothers, that the same people that will reject you is the same people that God will use you to elevate you. See, people that reject you, places that you've been through, they've never been through in life. So God allowed those things to happen to Joseph, and everything was a part of God's agenda, it was part of God's agenda. Tout ça, c'est planification, bon Dieu. Ça veut dire même mon frère qui te humilie, yo. The same people that humiliate you is the same people that God will use again for you to say, I am the God of Jacob. I'm the God of Abraham. And God will make you into a great nation. God will bless you. God will elevate you into a great society. God will connect you to powerful men, to powerful women in society. God will elevate you before your enemy. Today, I want to encourage you. I don't know your past. I don't know what you're going through right now. Some of you might go into a problem in your marriage. You might go into a problem with financial hardship. You might go into a problem in your ministry. You might go into a problem. Whatever your struggle is, God can turn your struggle to victory in your life. And when the devil think that everything was over, and God said, this is your time to celebrate the joy that the devil have taken away from you. Moi, je fais un rêve. 30 novembre 2018. Pasteur, bon Dieu, réjouis, Pasteur Mal. Réjouis! Moun qui te garde au bas. Gé koto passé, moun humilio. Mais je dis, ou chita devant la grande société, kote que te pas de bon respect, honneur, non? Abi appelé, ils vont en dignité. So, bien aimé, nous pas venir raconter, nous voulons dire. Le nous tap chogo, nous devons prendre tête, nous, commettre suicide. C'est ça, nous voulons dire. L'Éternel dit, non pas commettre suicide. My son, I will restore your joy and I will restore your peace. Abi nous vision, nous sommes ciel là, ouvert de bord. Et puis nous avons un ange réuni dans le ciel là. Et puis ma marche avec petit garçon maintenant. Et puis l'Éternel dit, double oxyme sur la vie. A double your anointing. Et puis ange réuni dans le ciel là. Et puis ange descend. Il dit, un jour, ou après une grande nation, petit garçon. Tout le monde qui était humilié, qui était gardé au bas, un jour, ça peut être moins pour faire ensemble avant. Moi, je dis, Pasteur Emmanuel, merci là. Moun ap chache ou. Il va qu'on a jamais joué nous. Parce que dans la dimension, bon Dieu, appelé Viola. C'est apprêtement mon affaire. Mais le que mon fait apprêtement, j'ai cherché, il va jamais jouer non. Quand même que t'es ma brave avec mon, I'm busy. Ouais, m'bah fêter, m'bah faire louange. Nous sommes nous qui militer tout. Mais bon Dieu, les vieux en dignité, dans figure tout le monde qui t'a pris au yo. Madame t'as nommé sur Philadelphie notre jour. Bon Dieu, vous m'avez mission. Abi moi pasteur a dit, madame pasteur a dit, ou pas le réjouir pasteur Manuel. Abi pasteur ça m'bat même quand c'est l'église non. Il te remet à crier, non, mettant en l'église en déception. Abi, je dis, abi, me font vision, moi, madame, li. Et m'a dit, madame, passe, non? Abi, elle me recrute, moi, c'est madame, passe, me dit, ouais, dans vision. Rejoy. Et passe, man, elle te la comme témoin. Passe, elle a prêché sur foyer. Et après, ça, elle prêché. So, rejoy. Il dit, c'est ce que vu, le message après, ma prière, me dit, bon Dieu, chauffeur, bouche, chauffeur. Change his message. Marriage, finance, enjoy. Et puis bon Dieu, dans la route, dans la retourne, moi avec Pasteur Emmanuel, machine frappe nous, bon, fait la machine frappe nous, machine monsieur a crasé, jeep crasé, gaz tank li fond de bon, police a saisi, tout le monde saisi, nous mettons un highway en bas, on l'a appelé. Et puis nous sortis, nous conduisons la machine, nous continuons dans la route, et puis monsieur a pas de machine, et puis son pasteur lui, tout le monde a pas de machine. Et nous avons attaqué, the enemy can attack you, but you will not die in your battlefield. That's the next message I'm going to preach for you. So, je dis à nous, voulons encourager vous. Bon Dieu est capable de lever en dignité. Côté l'église, c'est 1 million. Et puis, l'église indienne américaine a levé en dignité. Mais toujours fait gros fête. Honorer
même t'ai fait 3 maps dans une machine, m'tap crier m'tap banquer prendre tête moi. Nous critiquer moun, nous jouer moun. Mais ça pour hier, ou à pied quand même parce que l'homme pas qu'à stable destination, c'est ça me dit un message, your destination is unstoppable parce que destination par devenir de l'homme. Mais David de bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui lève mon intimité. Dans la chaise, côté bon Dieu, mettons là, là, faut humilier, faut prendre déception. Mais en retour, bon Dieu a levé, là, pour rester, dans la figure tout le monde qui t'a humilié. Quand on est passé, quelqu'un veut le bon microphone, pas le bon microphone, il y a obligé de parce que c'est bon Dieu qui choisit, ce n'est pas l'homme qui choisit. Nous n'avons pas de folie, pasteur. C'est dans la police département de travail, dans la NYPD Detective Squad. Mais je dis à bon Dieu, restaurer. Nous songer dans seconde pour nous finir, faut nous finir ensemble avec eux. Nous devons déception dans l'église. Action protestante quand puis danger par ces terroristes. Mais je dis, nous chita dans grande assemblée, grand côté. Bon Dieu, levez-nous en dignité. Je suis fier. Pasteur, assistant pasteur dans l'église indienne. Côté, même les gens qui viennent, ils ne disent pas que l'on est là, ou pas pasteur ici. Mais quand on rentre au monde pendant deux jours, ils disent que c'est le pasteur ici, c'est assistant lié. C'est comme ça, bon Dieu, levez-vous. Lord, it is silence. Quitte bon Dieu agit pour vous. And I learned that the hard way. Si you know bagay, you know pas qu'à silence. L'Éternel dit Joseph, ma fille un grand ministre. L'Éternel dit Pasteur Manuel, dans la deuxième vision, mettons soumis à la terre. Ou pas qu'à voir visage, mais souhait, figure-moi, moui. Mais ma levé en dignité devant Edmi ou yo. Je dis à nous, voulons courageux. Make sure pas que Edmi. Ou ap gen ennemi, mais ou pa gen ennemi. C'est la grande différence. Parce que bon Dieu a fait route avec vous, quand vous pas espéré ou grand destination. Yon jour, petit moi, même l'homme ou n'a humilié ou déception, yon gade comme fatra. Mais yon jour, n'a chita dans tête gouvernement, dans l'administration. Nous voulons raconter aujourd'hui, j'ai papa m'te prendre déception. A bien, toujours nous chita dans US Congress là. A bien, dit Pasteur Manuel, mission pour si travail dans tel département, tel bagay. Je dis à nous voulons courage, bien-aimé. Bon Dieu a levé. Ça aurait été silence. Quitte bon Dieu agit pour vous. Ça quitte bon Dieu agit pour vous. La plus d'avantage. Parce que l'église, il y a plus de monde dans l'église. Mais pas grand-pile de monde dans Christ. Yes. Petit pasteur, ou grand pas bishop. Mais bon Dieu, plus servi avec vous. Comme un serviteur de Dieu. Mais tu toujours fait un vœu à bon Dieu. Dis, bon Dieu, je vais me balancer pas ça. Tout prend la vie. Parce que. Ou levez en dignité devant tout ennemi. Yo. Je dis à nous, voulons courage. Moi, j'ai une destination. C'est ça, m'a écrit le livre. I am destined for greatness to become one of the highest powerful office in government. Même j'avais Joseph. Today, we want to encourage you. You have a destiny, and your destiny is unstoppable. And you have a dreams. And if you have a dreams, you have a destiny. That every dream that God over your life, and that dream must come to fulfill and vital in your life. I have a destiny, and you have a destiny. And your destiny is unstoppable. I have the greatest honor, and I want to thank God for give me the greatest privilege as a minister, as an instrumental to preach the everlasting gospel. I want to thank God for allowing me to be his mouthpiece. I want to thank God for his support over the years before I was born, and he has set you apart today. Today, in your family, you can be the next Joseph. You can be the next Esther in your family. You can be the next Samuel in your family. Whatever you are waiting for, God can change immigration just for you in favor and return. And as I was telling President Trump, brothers, the other day we had dinner together. When I look at the struggle from a food pantry, many times I was alive, many times I didn't have food, many times I keep thinking to myself, but today I'm sitting in the U.S. Capitol, we're having a dinner together. We're sitting in the highest. So we want to encourage you, this is what the Lord can be do. God can do for them more in your life than the devil can do. When God says, not over, until I bless you. My sisters, tonight I'm going to leave you. May the year be a year special in your life. May it be 2019, it will be a year that you never experienced in your life. May you go above and beyond an expectation. I pray that 2019, God will envelop you with blessing, that everywhere you go, favor will become your best friends. I pray that 2019, that every step that you make in your life, it will be a step that's ordained by God,
it will be a step of victory. That I pray that 2019, you resign Jamaica, whatever your address where you resign, God will relocate you in your life. He will locate you to Dreams Avenue. He will relocate you to Victory Boulevard. I pray 2019, it will be a year full of blessing. I pray 2019, people will look for you. They can never find you. I pray 2019, you will not die, but you will shall live and see the glory of God. I pray 2019, it will be a year full of joy and joys and above and behind. I pray 2019 that your dreams will come to fulfill in your life, will come to pass. I pray 2019 that you will not go empty hand. The way it was in 2018, it will never be 2019. It will be a year of special in your life, that your blessing will overflow. I pray 2019, wherever you go, you will be recognized. And I pray 2019, you will be success and every level in your life. I pray 2019 that it will be a year of testimony. It will be a year of giving thanks to the Lord for what he has done for you. And I pray 2019, it will be a new song in your mouth. It will be a new vision. I can never repay what the Lord has done for me, where he has taken me to where he wants you to be today. 2019, it will be a year to testify the goodness of God. That today, as I wrote my message and my team this year, your dreams are greatness. And the greatness that God planted in your life, the seed of greatness that's in you, will flourish in your life. And the blessing will come to life. And I pray 2019, it will be a year of victory and seal with the blood of Jesus. We cancel every funeral. We cancel every bad news. That every bad news in your life will turn to be good news. I pray 2019 that your miracle might be delayed in 2018, but your miracle will not be denied, because God said, the best yet to come, my sisters in the Lord. I love you. Thank you, and a great honor once again for the Holy Spirit to allow me to speak on his behalf. And I want to thank you for all those who are listening tonight. And I want to thank you, the man of God that I highly respect, the Reverend Emmanuel Mesila, for his leadership in his ministry at Clinic Garrison Spiritual. And I want to thank the Holy Spirit for inviting me personally to this show tonight. He did not invite me. It was the Holy Spirit himself. And I want to thank all those who are listening, all the ministers and all the bishops, and Bishop Sam especially. I love you. I will always admire you, respect you. And I want to be straightforward and honesty. I put negative aside. Thank you for training me and mentoring me to be a better person and to be where I am today. And the best yet to come. And I believe that everything that you have done for me, I always look and I was showing, and as an educated person, that I always learn to always never look at the beginning. My parent always taught me, look at the end. So I want to thank you especially to the family of Apocalypse Church and all the ministers surrounding the area. It is my greatest honor to continue to preach the gospel, and also next year look forward to sit in the highest office legislative in the land. In a history. So it is my greatest honor to continue to serve his people, preaching the gospel, and be in government at the same time. So we are looking forward to work together in unity to better serve our community in every way. Let's learn to love. Not talk about love, but put love into action. Let's not be in competition, but let's work in unity. When we work together, you know why the devil haven't been defeated yet? We're going to be saying, il n'y a beaucoup perdu bataille, c'est parce qu'il n'y a pas gagné unité la caille, non. Les haïtiens moutés, nous gagnons orgueil. Les travailleurs étrangers, nous l'église étranger, les yun nous moutés, 10 moun kachon cathédrale. Malgré moi, j'ai 10 000 $ par mois, mais son gros cathédrale. Parce que c'est l'unité qui gagne ensemble. So when we work together in unity, there's so much we can do, we can defeat the enemy. Dans le funéral, nous avons travaillé par temps. Nous avons un grand funéral, mais nous travaillons 5 différents funéral. Tout le monde travaille unité. Tout le monde travaille unité. Mais dans le comité évangélique là, on va mettre ensemble, bah, j'aime donner une bataille. Mais Haïtien, un pasteur, il ne sait pas qu'à mettre ensemble. So, where is the love? Nous quick pour juger le monde, nous parler le monde. Aujourd'hui, un message à vous dire, toute accusation que tu as sur Joseph. Puisque Joseph était clean devant bon Dieu, il bat gon péché dans la ville. Bon Dieu, levé toute question. Il fait toute famille want. Que bon Dieu bénisse. Next time, I will be honored to come back and preach for you. I have a dream.
and that dream will come to pass. And God bless you. And have a wonderful Merry Christmas. May be in peace and joy. And a wonderful success, a year of victory 2019. And God bless you. And on my behalf of my church, Gateway, with greeting you once again, we love you. I am honored to serve you as a pastor here at Gateway Christian Center. Please feel free to visit my church every Sunday, Valley Stream, 502 Central Avenue, Valley Stream, New York. My service is from 10 in the morning to 12 p.m. every Sunday. Ladies and gentlemen, Gateway Christian Center, now situated in Valley Stream, 600 Central Avenue. L'église, moi, c'est service, moi, c'est 10h pour midi, chaque dimanche, and be welcome, be a part of the family. May God bless you. So, go l'église au marché, pas déplacer l'église, qui est l'esprit dirigeant. Que bon Dieu bénisse, we love you, and God bless you. Thank you. Yeah.
lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Alléluia. J'espère que à soya c'est ton soirée et où t'es vraiment enjoy, où t'es vraiment béni à travers provision que le Seigneur t'a porté pour nous. Et nous bénissons le Seigneur parce que gain des provisions, c'est le Seigneur seul qui est capable et fait arrangement provision ça pour nous. Parce que moi-même pas beaucoup de pas pas t'a gagné vraiment, pas t'a gagné vraiment chance pour me capable retrouver Pasteur Emmanuel Assé, parce que son homme est qui vraiment busy, et son homme vraiment, et c'est pas des mondes qui à la recherche Pasteur Emmanuel Assé. Bon, il y a pas de chance pour retrouver lui. Bon, nous même c'est comme ça le Seigneur fait arrangement pour nous joindre, et puis il passe, il bénit peuple là, et nous rete quoi que le Seigneur t'est servi avec lui dans le message li pour t'être capable édifier peuple là.
So, dans ce sens ça, nous pourrons seulement passer dans le moment de la prière. Nous pourrons passer dans le moment de la prière et puis dans quelques minutes pour nous capables voyer le peuple aller. Parce que nous connaissons, et depuis la parole de Dieu fin prêcher, et nous toujours dit tout le monde qui a des oreilles, arrangez-vous pour tendre la parole de Dieu. Arrangez-vous pour tendre, reprend la voix de Dieu qui a touché cœur, qui a touché pensée, qui a touché tout ou même. So, dans ce sens, ça, nous pourrons seulement rentrer dans la prière pour nous capables de remercier Papa bon Dieu pour bien faire et pour arrangement le Seigneur fait pour nous. Nous pourrons seulement remercier lui parce qu'il y a des provisions spirituelles, c'est seulement Jésus qui a fait là. Et nous espérons que vous t'aimez. Tête chargée nous yobaou nous porter chercher Dieu tout ça qui a fait nous mal yobaou puisque dit nous n'a pas parole nous chercher Dieu pour nous capable chercher joindre avec vous et seule façon pour nous joindre avec vous c'est pas la prière. Et bien père dans moment ça nous pourrons laisser peuple là parce que nous retrouver vraiment peuple là t'es béni à travers parole ou t'es voyé pour yo. Et dans le moment ça, cher Seigneur Dieu, non seulement capable de vous merci. Nous vous merci pour ce qu'on fait dans la vie. Nous vous merci pour bien faire. Nous vous merci parce que c'est bon Dieu. Nous vous merci parce que vous pas jamais la non. Et bien, Père Saint, puisque Alléluia ou dit non, Père Saint, pour nous capables de rester dans la prière. Pour nous capabriter tout près de nous-mêmes, c'est dans la caillou seulement nous capables de retrouver la guérison. Seigneur, t'en prie, dans le moment ça, n'a demandé pour moi décembre ça, c'est pas démon qu'avec une tête chargée. Pour moi décembre ça, c'est pas démon qui a crié, qui a brûlé. Mais puisqu'on dit nous chercher Dieu dans Luc chapitre 10, le verset 18, où dit, Jésus l'a dit, j'ai envoyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Seigneur, ou dit dans la parole, ouvre les yeux seulement, ou est comment Satan le diable a tombé. Et façon que l'a tombé, alléluia, l'a tombé, pour le capable, et jeter col, alléluia, dans la fatra, dans la boue. Mais ou dit, moun, alléluia, moun, ou mettez main sous yo. Moun wap gade, wap protéger, wap couvri yo. Et moun sa yo, c'est moun, c'est ou même capable assister yo. Eh bien, Père, n'a mandé ou t'a pris fait grâce. Fait grâce à chaque zami l'émission ça. Et vraiment, qui te branché l'émission ça depuis le fait 9h. Eh bien, dans le moment, ça chasse Dieu, nous revenons dans l'heure pour nous capables de voir le peuple à le reposer. N'a mandé ou t'a pris.
que la main de l'Éternel est capable de reposer sur le peuple ça. Et on dit, ceux qui gardaient par l'Éternel se bien gardaient. Et nous connaissons, cher Seigneur Dieu, puisque c'est bon Dieu Jacob, bon Dieu Israël, qui a gardé le peuple ça. Pas qu'on branche cheveux dans la tête qui a braché. Eh bien, Père, nous avons d'autant pris assister nous. Nous avons de vous être avec nous, spécialement la famille Mesilas. Spécialement, cher Seigneur Dieu, si là qui branche nous là, dans l'émission ça là, à travers radio yo. Si là qui branche nous là, cher Seigneur Dieu, à travers YouTube. Si là qui branche nous, cher Seigneur Dieu, à travers tes téléphones, yo nan men yo. Yo branche sur Facebook. N'a pas de assister yo pour nous, Père. Eh bien, dans le moment ça, n'a pas de cher Seigneur Dieu, puisque nous connaissons Satan le diable. La saccage colle, la crase colle, mais on dit nous que votre cœur ne se trouble point. Eh bien, Père, dans le moment ça, n'a pas levé la sœur, alléluia, la belle Magdalena, mère. N'a pas levé, alléluia, chaque fidèle servante et serviteur qui branchait l'émission ça. Et n'a pas demandé, cher Seigneur Dieu, qui soirée ça, capable d'une soirée bénie pour yo. Qui soirée ça, cher Seigneur Dieu, son soirée bénie pour yo. N'a pas levé, alléluia, la sœur Violette, n'a mais on Pierre Paul, qui soirée ça, son soirée bénie. Seigneur, qui t'es nous levé, la sœur Marie Auguste, cher Seigneur Dieu, et nous déclarer soirée ça, que son soirée bénie pour yo. Seigneur, n'a pas levé, alléluia, chaque fidèle ami, spécialement Kerline, Jean, c'est cher Seigneur Dieu qui branche nous là, n'a pas demandé, que la grâce de Dieu, alléluia, capable de couvrir. Sœur Kerline Jean, qui branche l'émission clinique guérison spirituelle. Seigneur, nous connaissons quand c'était monde qui pral revivre l'émission ça sur YouTube. Quand c'était monde qui pral ouais nous, cher Seigneur Dieu, à travers tout l'autre réseau social, yo. Cher Seigneur Dieu, nous pas qu'à régler combien de monde, alléluia, qui pral béni à travers l'émission ça. Père, dans le moment ça, alléluia, n'a pleuvé chaque fidèle servante qui n'a même. N'a pleuvé la sœur Erika n'a mais on chassait Dieu bénis-le pour nous assistez-le pour nous chassait Dieu sûrement il te font passer pour le garder pour le voir comment ça a déroulé à travers clinique guérison spirituelle. Eh bien chassait Dieu n'a pas continué lever alléluia le révérend pasteur Jean Germain n'a mais Seigneur bénis-le pour nous parce que mon saillot vraiment yo te rete avec nous pour suivre comment l'émission clinique guérison spirituelle a déroulé. Seigneur, t'en prie, n'a pas mando, couvri yo pour nous, assiste yo pour nous. N'a pas levé, alléluia, la sœur Sandina Love, n'a même, au cap font bel travail. Alléluia, sur réseaux sociaux, yo, comment la palais de, alléluia, Atomi, côté que son compagnie qui l'ouvre porte li pour le capable couvrir tout le monde qui dans le besoin, tout le monde qui pas capable. Eh bien, Seigneur, dans moment ça, nous levons la main, on cherche Seigneur Dieu. Sandina Love, dans main, ou va bénir pour nous, béni Marie pour nous, béni petite pour nous, béni activité pour nous, cher Seigneur Dieu, béni tout ça là pour entreprendre pour nous, Père Saint. Seigneur, nous bénissons à soya, nous glorifions parce que vous avez fait pasteur Emmanuel assez passé dans le studio clinique guérison spirituelle. Et d'une façon que pour te bénir, peuple, Seigneur, nous bénissons et nous remettons soirée à la mer. T'en prie, restez avec nous, assistez-nous, pas quittez-nous pour compte nous. Parce que nous connaissons aussi bon Dieu, nous aussi sauver nous. Seigneur, en pile fois, nous avons demandé sous patte là dans la vie, nous, comment ça taille pour nous? Sous pat là dans la vie nous comment ça taille pour nous il y a des monde qui seulement captant de fête nous il y a des monde qui seulement captant qu'il est pour nous tomber il y a des monde captant vraiment qu'il est pour ça passer mal pour nous mais on dit alléluia le juste vivra par la foi. Eh bien cher Seigneur Dieu en tant que juste nous connaît que il y a des monde qui monter sur réseaux sociaux cher Seigneur Dieu il y a chercher bagaille qui pour faire chez au plaisir. Y a cherché bagay qui pour faire yeux au plaisir. Mais à savoir de l'évangile qu'a prêché pour l'avancement le royaume des cieux, yo pas la donne. Yo pas la donne parce que parole ça pas bon pour yo. Parole qu'a bon pour nam yo, parole qu'a bon pour koyo, yo pas dans ça yo même. Seigneur n'a pas d'autant prix. Que chaque monde qui t'a suivre l'émission ça soit béni yo pour nous édifier la vie yo pour nous. Chaque monde qui écrit nous par une salutation, béni yo édifier la vie yo pour nous.
Et là nous regarder à travers bord de la chasse un Dieu quantité monde nous est plus que 150 ou 170 monde. Mais là nous regarder quantité monde qui seulement saluer nous, il vraiment chasse un Dieu lui minime. Mais puisqu'on dit quelque part dans la Bible le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui sont à part. Donc on est monde qui salue nous yo, c'est monde qui fait violence. Moun qui salue nous yo, c'est moun vraiment qui respecte la parole de Dieu. Moun qui salue nous yo, c'est moun vraiment qui encourage ministère nous. Moun qui salue nous yo, c'est vraiment alléluia, yo croit, yo ka joine yon parole et assoya yo te béni à travers canal serviteur. Seigneur, assiste nous, bénis nous, guéris nous, sauvez nous. Pas quitter peuple là pour continuer à demander pour amener peuple là dans dormi coup yeux clair. Seigneur, nous prions comme ça, soyez attend pour faire grâce. Assistez peuple là. Nous prions comme ça, Père Saint, à soyez n'a mando. Assistez peuple là. Pas quitter pour compte yo, assistez yo, visitez yo. Rete avec yo, que la main de l'Éternel capable rete dans la vie yo. Couvri yo, assistez peuple là, cher Seigneur Dieu. Yon peuple qui la gay. Yon peuple qui la gay. Alléluia, qui pa gen moun ki pou mande le sal pou pou van. Seigneur, soyez nous compter sur. Nous connaissons à briter avec peuple là. Nous connaissons à suivre peuple là. À suivre trajectoire peuple là. Avec nous, nous prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. À lui seul soit la gloire. Papa bon Dieu, donne une opportunité de nous capables. Alléluia, prier avec le peuple, nous sentir de béni. Éternel, ça va faire, nous récompense-nous, nous déclarer, Papa bon Dieu. Récompense-nous, Papa mon Dieu. Récompense-nous, Papa mon Dieu. Parce que soit ton c'est l'homme qui peut applaudir, soit ton c'est l'homme qui peut combattre avec nous, qui peut nous donner une vraie Seigneur, parce que nous connaissons le bon Dieu. Au nom de Jésus, nous t'en prions ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'en prions. Au nom de Jésus de Nazareth, assoyez. Nous prions comme ça. Avec nous, assistez-nous au nom de Jésus. Eh bien, nous disons merci à chaque ami qui t'est branché nous là, assoyez. Nous disons merci à chaque ami qui branché l'émission ça, qui t'est là avec nous. Et c'est pour nous, c'est une joie, son contentement pour nous te passer un moment avec vous. Nous donnons merci aux mêmes qui t'ont écrit nous par salutation, aux mêmes qui t'ont seulement prouvé nous qui sont avec nous. Eh bien, nous donnons merci. Restez avec la paix, Papa bon Dieu, baila. Et nous déclarer que le Seigneur Jésus est capable d'assister. Nous déclarer que le ciel est capable de continuer à visiter. A continuer pour me inviter toute sa café discussion. Inviter toute sa café discussion. Tout son suspect qui café discussion, n'a pas inviter. Dans cas là si c'est Mario ouais vraiment qui cherche en parlant pile avant, inviter. Si c'est madame non réalisé qui cherche en parlant pile avant, inviter. Inviter toute sa café discussion qui tes yeux fixés sur le Seigneur. Et nous quittons dans déplamer papa bon Dieu. Nous quittons dans deux plats, mais Papa bon Dieu, allez en paix et que bon Dieu capable bénir, que bon Dieu capable restaurer, que bon Dieu capable couvrir et nous connaissons bon Dieu nous en pas blaguer nous là-bas avec nous. Passez bonne nuit, je vous aime tous. I love you guys, I love you all. Bye bye tout le monde, bisous pour tout le monde. Bye bye. À la semaine prochaine, nous allons rencontrer pour une autre émission pareille. Bye bye. Je vous aime tous.
m'a continué fait bien. C'est ça Jésus m'a dit. Pigou commandement, c'est pour aimer frère même Jacques des tout. C'est ça Jésus m'a dit. Même les nous fait au bien à dévorer d'autres. N'a continué fait bien, c'est ça Jésus m'a dit. N'a toujours supporté au chaque bien moi faire. Chaque bien moi fait ça. Oh, ma continue fait bien. Chaque bien moi fait. Il met chagrin dans cœur. Et même il met tristesse dans cœur. Moi tes bons amis qui te gain problème. Li pas gain côté pour dormir. Moi mette la caille moi axis piti. Jodi a monté bal de caille pas là. C'est lui-même qui a marché par les mal. Chaque bien moins fait ça. Amen. Gloire à Jésus. Chaque bien moins fait. Il met chagrin dans le cœur. Il met tristesse dans le cœur. Moi, t'es gros amis qui t'es malade en ville. Qui t'es éternel l'hôpital. Moi, passé journée avec. Moi, belle, moi, moi mette le coucher, moi aide le prier. Jodi a li guéri, la marché calé d'eau. Chaque bien moi fait Seigneur. Merci pour force souvent moi père. M'a continué fait bien. M'a continué fait bien. Amen. Amen. Oh, chaque bien moi fait Seigneur. Amen. Ça c'est parole bon Dieu. Amen. Mordé ou nan do, vivre j'aime tout pas faire bien encore. Même les amis ou l'an pas comprendre nous. C'est pour toujours continuer faire bien. C'est ça bon Dieu mandé, c'est pour aimer elle mi ou l'an. Chaque bien moi fait Seigneur. Fait bien, attend pour me finir. Avec Jésus, moi monté en les bureaux. Chaque bien moi fait ça. Ça c'est parole mon Dieu. M'a toujours prié pour elle, mignon. Oui, c'est ça mon Dieu, oui. Papa, 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 levez-moi, levez-moi. Chantez m'a carité. M'a carité. Ici, bague et tombe, chanté. Pas arrêter. Seigneur, moi pas carité. Pas compte qui l'est pour venir chercher moi. Oh, c'est où ma putain y'a oué. Épidémie dans tout pays. Moi
pas arrêter non. Devant mon bout d'une pas arrêter. Amen, pas arrêter. Oui, ici pas de problème, chance. Pas arrêter, pas arrêter. Alléluia. Papa, papa. Oh, moi pas arrêter non. Pour moi faire confesser ou trahir moi. Pour moi dépenser qu'à faire ou t'avais moi. Oui, les hommes pas reconnaissants. Pour nous faire bien à pas le mal. Réponse en mime n'en trahit moins. Épidémie dans tout le pays. Les maladies va être tout bateau. Jésus de Nazareth, c'est où ma p'tit. Le Saint-Esprit, c'est où ma p'tit. Adonai c'est où ma tante? Quand tu rigoles sans cap pour la terre, la vie m'en va pour rien encore. Oh! M'a carité, m'a carité. Oui, si bagué comme des choses. Amen, amen. Baba, baba. Gloire à Jésus. Amen, baba. Oh, amen, amen. Eh, moi, m'a carité. Quand des problèmes dans tout pays. Quand des crimes gagnés tout bas d'eau. Regardez comment ça poule dans le pays.